collection premium où Monsieur Giorgio Armani a décidé d'en faire des cadeaux pour son entourage et pour sa famille. Il a essayé de prendre le meilleur de la parfumerie, les meilleures fragrances, pour exprimer en fait son amour, son amitié, ses sentiments vis-à-vis de ses proches, une manière très délicate. Selon Monsieur Armani, il faut savoir que tout se joue au niveau de l'art, du sur-mesure et de la créativité. Et cette belle collection qui est un bijou se compose justement de plusieurs collections que je vais détailler avec vous ce soir. Une collection unisexe pour tous les hommes et toutes les femmes qui cherchent un côté glamour, un côté premium et un côté très luxueux. La première collection Armani privée, c'est la collection des eaux, où M. Armani a fait un hommage au jardin mythique, où il a fait un hommage à tout ce qui est méditerranéen. La deuxième collection, donc, c'est la collection des parfums, où M. Armani a fait un voyage olfactif dans le monde occident. Et la troisième collection, il s'agit de collection 1001 nuits, où là on va aller vers tout ce qui est oriental. Monsieur Armani a fait une inspiration au niveau du oud, du musc, du safran et de tout ce qui est 1001 nuits. Dernière collection qui s'appelle les malachites. Donc Monsieur Armani, il a décidé de faire un hommage aux pierres précieuses russes, la pierre légendaire, où il a fait justement de cette légende deux malachites, une malachite verte qui va exprimer le côté immense et vaste de la Russie et la malachite rouge qui est justement faire un hommage à la femme russe avec sa beauté et sa force. En Tunisie, vous allez voir cette collection qui est très sélective dans les quelques points de vente. Point M Carrefour, Fatal Palmarium et Fatal Zephyr. Soyez les bienvenus, on serait très ravis de vous recevoir parmi nous et bienvenue encore une fois dans le monde Armani.